Un fait insolite vient ébranler la haute hiérarchie militaire en Algérie. Dans une série d'événements surprenants et pourtant bien réels, un caporal de l'armée algérienne, Ahmed, a mis en place une farce qui a eu des conséquences inattendues. À la fin de l'année 2023, Ahmed, qui servait comme assistant personnel du chef d'état-major de l'armée, Saïd Changria, avait sollicité deux moutons auprès du quartier général, QG, pour les besoins de son mariage. Toutefois, sa demande s'est heurtée au refus d'un officier supérieur, un colonel adjoint du commandant du QG, arguant d'une pénurie de moutons dans les stocks en raison de la fin d'année et des procédures d'inventaire en cours. Cette réponse a profondément déçu Ahmed, qui, exaspéré par le refus de son camarade, a décidé de se venger en mettant en œuvre un stratagème astucieux. Connaissant la nature colérique de Changria et sa vigilance à l'égard de ses biens personnels, Ahmed a dissimulé deux modestes pommes dans le frigo du bureau du chef d'état-major. Lorsque Saïd Changria a découvert les pommes dans son frigo, il a immédiatement suspecté une intrusion et a exigé des explications de la part d'Ahmed. Ce dernier, loin d'avouer sa supercherie, a au contraire accusé les responsables du QG d'avoir violé l'intimité de Changria en fouillant son frigo. En proie à une colère noire, Changria a exigé des sanctions contre les coupables. Les répercussions de cet incident ont été sévères. Le colonel adjoint du commandant du QG a été condamné à un mois de prison, de même qu'un commandant chargé de l'approvisionnement, qui a également été muté vers une unité moins prestigieuse. De plus, un adjudant du magasin du QG a été condamné à un mois de prison avant d'être radié de l'armée. Deux autres officiers ont quant à eux écopé de blâme. Cette affaire, née d'un acte en apparence anodin, a provoqué un vif mécontentement au sein de l'armée algérienne, mettant en lumière les injustices auxquelles sont confrontés certains officiers militaires dévoués pour leur pays. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.